Durant notre trajet, je vais vous présenter notre activité, la ligne, la rivière de l'Eure que nous allons suivre sur la droite dans le sens de la marche sur plusieurs kilomètres et les villages que nous traverserons. Commençons par un peu d'histoire. Projetons-nous dans la seconde moitié du 19e siècle. En 1860, le département de l'Eure est le premier département industriel de France. Les manufacturiers locaux ont besoin de voies de communication modernes et rapides afin d'écouler leur production et de recevoir les matières premières. À l'époque, le département est desservi par deux lignes de chemin de fer, celle de Paris au Havre et celle de Paris à Cherbourg, mais les grandes compagnies jusqu'au port de Rouen. Et parmi ces investisseurs, on va retrouver le duc d'Albufeira qui résidait au château de Vizy à Vernon. Suite à une lutte économique et politique acharnée, la compagnie Rouen-Orléans voit le jour en 1872. Les études technico-économiques amènent les ingénieurs à opter pour un tracé suivant les reliefs, de manière à ne pas aggraver les coûts par la construction de la. Mais le 26 avril 1989, le nombre de wagons transportés sur la ligne n'est plus suffisant. Et la SNCF, il ne subsiste plus que deux sections.
de Saint-Pierre-du-Vauvray à Attigny en passant par Louquet et de Beuilly-la-Croix sur le point sur laquelle nous circulons aujourd'hui. Et cette section dessert encore les gares de Breuilpont et Cours, Passy-sur-Eure, Ménil, Jouy-Cocherel, Champagne-Fontaine-sous-Jouy, Auteuil-Houdrier et la Croix sur le point. Le chemin de fer de la vallée de l'Eure, que l'on appelle le CFVE, est une association loi 1901. Elle a été créée en 1903 de la végétation qui l'avait envahie depuis 1989. Ils ont changé quelques milliers de traverses sur la section Passy-Breuilpont, refait certains appareils de voie. La voie est ouverte en draisine jusqu'à la Croix Saint-Lecroix. Notre ligne est exploitée toute l'année. Le CFE met en marche ses trains de travaux pour l'entretien des voies et des abords, mais aussi des trains spéciaux loués par des personnes souhaitant donner un air.
Nous sommes maintenant dans la commune de Descours. Sur la gauche, dans le sens de la marche, vous allez pouvoir apercevoir la mairie ainsi que derrière elle l'ancienne école du village, toutes deux construites sur le même modèle. Pour pouvoir effectuer nos démarches en mairie, il faut bien faire attention car elle n'est ouverte qu'1h30 par semaine. Et en bois de châtaignier, car ce bois est connu pour repousser les insectes et en particulier les araignées. Jolie demeure qui va se trouver sur la gauche aussi, avec qui est tout en pierre et a été pendant de très nombreuses années l'habitation de l'acteur Philippe Léotard.
le Breuilpont terminus allé de notre train. Nous allons y effectuer un arrêt d'environ 15 minutes pour laisser le temps à notre mécanicien de procéder à la manœuvre de remise en tête de la locomotive. Merci de ne pas ouvrir les portes avant l'arrêt complet de la rame à quai. Pendant cet arrêt, vous pouvez soit descendre en train d'assister à la manœuvre, rester tranquillement assis dans le train, ou aller voir les locomotives à vapeur qui sont exposées. La descente s'effectuera sur la gauche dans le sens de la marche, et je vous conseille la marche arrière.